C'est aujourd'hui, comme tous les 1er décembre depuis maintenant plus de 30 ans, la journée mondiale de lutte contre le sida. Malgré les projets de la recherche et malgré l'augmentation du nombre de personnes qui bénéficient d'un traitement anti-VIH, les décès liés à cette maladie se produisent encore. Pour faire un état des lieux de cette maladie en Guyane et pour savoir comment sont pris en charge les malades, nous recevons ce matin l'infectiologue Aude Lucarelli. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Je vais vous demander juste de rapprocher un tout petit peu le micro de votre bouche, comme ça on pourra bien vous entendre. Voilà, parfait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va peut-être commencer par un point sur les chiffres du sida en Guyane. Combien de personnes sont infectées? Est-ce qu'on le sait déjà? Alors, on sait qu'il y a 3000 personnes vivant avec le VIH en Guyane, avec plus de 2000 personnes qui sont suivies sur les différents sites, que ce soit Cayenne, Kourou, Saint-Laurent ou dans les différents dispensaires, centres de santé délocalisés, de soins et de prévention. On a environ 1000 personnes qui sont perdues de vue, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas venues en consultation depuis plus d'un an. On estime qu'on a dépisté 90% de la population, donc on est à 3000 personnes vivant avec le VIH, le sachant. D'accord. En se disant que 10% de la population n'y est pas encore au courant. Et après, chaque année, il y a combien de nouvelles contaminations? Alors, on a un nombre stable avec une centaine de nouveaux diagnostics par an en Guyane. D'accord. Une centaine avec, en 2019, on a eu 118 nouveaux cas. D'accord. Et par rapport aux autres départements, aux autres régions de France, on se situe au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne? Alors, on est le département le plus touché de France. Mmh. On a 9 fois plus de personnes vivant avec le VIH sur notre département que dans n'importe quel département français. Et comment est-ce qu'on explique justement cette position, cette triste position par rapport aux autres territoires? Alors on se situe très proche de la zone Caraïbe, qui est déjà la deuxième région dans le monde le plus touchée par le VIH après l'Afrique subsaharienne. Ensuite, au niveau de la Guyane, on a de nombreuses migrations, des inégalités sociales, une grande diversité, que ce soit culturelle ou au niveau des langues, et des isolements sociaux ou démographiques qui empêchent en fait de faire une prévention, d'améliorer notre prévention, qui diminue le nombre de dépistages et l'accès aux soins. Donc ça impacte aussi notre accès aux soins. Est-ce qu'il y a certaines populations en fonction de leur emplacement géographique en Guyane, certaines communes plus que d'autres, certaines personnes en fonction de leur origine sociale, origine sexuelle, orientation sexuelle, pardon, qui sont considérées plus à risque que d'autres? Alors, en Guyane, on dit qu'on a une épidémie hétérosexuelle. Il y a autant d'hommes que de femmes. Donc, il n'y a pas au niveau ni du sexe, ni d'orientation sexuelle. Alors que ce n'est pas forcément le cas dans l'Hexagone, pas sur ce point. C'est une épidémie plutôt homosexuelle, avec les plus touchés, qui est la catégorie les plus touchées, mais ce n'est pas le cas en Guyane. D'accord. Après, on a vraiment une majorité de patients qui sont nés à l'étranger. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent en Guyane avec le VIH. On a même des études qui ont montré qu'ils s'infecteraient plutôt sur le territoire au niveau de la première année de leur migration, due à une précarité, un isolement social qui augmente les risques de contamination du VIH. Donc majoritairement des contaminations en Guyane plutôt que des contaminations à l'étranger et ensuite arrivent sur le territoire. On dit souvent, Aude Lucarelli, plus la maladie est détectée tôt, plus son traitement est efficace. Tôt, ça veut dire combien de temps, en fait, précisément? Le plus tôt possible. Si on dépiste ce qu'on appelle en primo-infection, c'est-à-dire dans la première phase de l'infection, dans la première semaine, on sait que si on met le traitement très tôt, on va diminuer, en fait, très vite le virus et on va jouer, en fait, sur le système immunitaire, les globules blancs, les petits soldats qui nous défendent contre les infections, et on va permettre de les remonter. On sait que si on traite plus tard, quand on a moins de globules blancs, on a plus de mal à les remonter. Donc c'est pour ça qu'on dit plus on traite tôt, plus on va jouer, un, sur casser ce virus, et deux, remonter en fait nos petits soldats, nos globules blancs pour nous défendre contre les infections. Et ça va nous permettre en fait de vivre normalement. Donc ça veut dire que si on a eu un rapport sexuel un samedi soir, on va dire, dès le dimanche, dès le lundi, dès les jours qui suivent, il faut absolument se faire dépister, il faut se faire dépister très rapidement. Alors, le dépistage, c'est pas aussi rapide. D'accord. On a certains tests qui se positivent très vite, mais après on a des délais de positivité. Après, si on a eu un rapport sexuel un samedi, le dimanche, on peut se présenter aux urgences,
ou on est ouvrable, si c'est d'autres jours de la semaine, dans les services comme l'hôpital de jour ou la Croix-Rouge française, que ce soit Cayenne, Kourou ou Saint-Laurent, qui sont Cegid, pour pouvoir avoir le traitement d'urgence. On a eu un rapport à risque, on n'a pas mis le préservatif a cassé, il a glissé. On a comme prévention supplémentaire un traitement qui s'appelle le TPE. C'est un traitement qu'on va prendre tous les jours à la même heure pendant un mois pour diminuer le risque de contamination virale. Donc ça veut dire que majoritairement, le dépistage, ça se passe à l'hôpital. Si on pense être une personne à risque, il faut absolument aller à l'hôpital ou ça peut se faire aussi autre part? Ça peut se faire à différents endroits. Il y a surtout les Cegid. Donc les Cegid, il y a le Cegid de la Croix-Rouge, alors Cayenne, Kourou, Saint-Laurent. Il y a le Cegid au Chog. On peut se faire dépister chez son médecin traitant, en laboratoire, on peut se faire dépister à l'hôpital. Il y a un Cegid aussi à l'hôpital ou dans les différents CDPS dans les communes du littoral. Et c'est un dépistage, il faut peut-être aussi le dire, qui est gratuit et qui est anonyme. On peut faire un dépistage anonyme comme on peut faire des dépistages gratuits avec son nom sur la prescription et donc son nom sur les résultats pour pouvoir les présenter à son partenaire. D'accord. Aude Lucarelli, vous êtes, je le disais tout à l'heure, infectiologue. On va parler maintenant de l'accompagnement pour les malades en Guyane. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'ils se font suivre sur place en Guyane ou bien est-ce qu'il faut aller en métropole comme c'est le cas pour d'autres maladies? Je pense par exemple à certains cancers. Alors non, en fait le virus du VIH, on peut le prendre complètement en charge en Guyane. On n'a pas de défaut de plateau technique parce que c'est une maladie chronique qui se fait suivre avec soit un médecin spécialiste, un infectiologue à l'hôpital dans un premier temps, voire avec un relais par son médecin traitant en ville. Ici, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'un plateau technique comme certaines chirurgies, certaines choses dont on manque sur d'autres spécialités. On a tous les mêmes traitements qu'en métropole. On a vraiment exactement les mêmes traitements, accès aux mêmes choses, à la même technologie, aux mêmes connaissances. On prend aussi bien en charge un patient vivant avec le VIH en Guyane qu'en métropole. Vous nous avez expliqué que vous êtes infectiologue. Que fait une infectiologue au contact justement de malades du sida? C'est quoi votre rôle, on va dire, dans la prise en charge, dans l'accompagnement des malades? Déjà, c'est le premier contact. Lorsqu'un nouveau patient se présente à l'hôpital ou en consultation, on va d'abord lui expliquer, l'informer sur ce qu'est cette maladie chronique. D'accord. Quel est son suivi, comment on va évoluer avec lui. On va l'accompagner dans les différentes phases, que ce soit les premières parties, la mise sous traitement, le suivi ou toutes les étapes de sa vie, comme la conception d'un enfant ou... Ou toutes les autres, ou tout ce qui se passe après dans le reste de sa vie. Donc ça veut dire en fait qu'il y a un contact régulier à long terme qui est fait entre vous, entre l'infectiologue et le malade, le patient qui vient vous voir. Tout à fait. En fait, on va essayer de filiariser, c'est-à-dire que le patient va revoir toujours le même médecin. Il aura un médecin référent. D'accord. En l'absence de celui-ci, il pourra être vu par les collègues. Mais d'avoir une personne donc de confiance avec qui il se sent à l'aise pour pouvoir faire ce suivi. Et on va le suivre au long cours. La vie au quotidien, quand on est malade, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on peut avoir une vie normale, presque normale, j'ai envie de dire? Mais tout à fait, en fait, c'est comme toute maladie chronique. C'est une annonce, c'est quelque chose de lourd. Il faut que le patient adhère à la pathologie, comprenne sa pathologie et après adhère au traitement. Après, aujourd'hui, on a c'est pas ce qu'on voyait dans les années 90, on a des traitements qui sont plus simples. On peut aller de 3 comprimés, voire 1 comprimé par jour. Juste un comprimé par jour. Donc, on le prend le matin ou le soir quand on rentre, et le reste de la journée, on vit normalement. On n'est plus limité comme à une époque où il devait se balader avec des piluliers, avec des prises toutes les 2-4 heures. On a des traitements qui sont bien tolérés, c'est-à-dire qui ont moins d'effets secondaires, qui ont moins de prises et qui permettent d'avoir une bonne qualité de vie pour nos patients. Donc ça veut dire qu'on peut continuer d'avoir une vie sociale, continuer de travailler, continuer d'avoir des enfants aussi? Mais tout à fait, en fait, un patient vivant avec le VIH, c'est comme n'importe quelle maladie chronique, on va demander un suivi. Au début, un suivi tous les 3 mois, puis voire tous les 6 mois. On peut même faire un suivi annuel à l'hôpital avec un suivi intercalaire par son médecin traitant. Et on vit normalement. On peut travailler, il n'y a aucun travail qui est interdit, malgré certaines pensées populaires. On peut aussi avoir des enfants, on va le faire en programmé. On va parler du désir d'enfant à son médecin, l'infirmière aussi qui accompagne, parce que chaque patient a une infirmière d'éducation thérapeutique qui l'accompagne tout au long de son parcours. Et on va programmer ensemble
une grossesse, l'accompagner pour que ça se passe au mieux, sans qu'il y ait de transmission à l'enfant. Est-ce que malgré ce traitement dont vous venez de nous parler, est-ce qu'on meurt encore du sida en Guyane? Est-ce qu'il y a des risques parfois de rechute au bout de X années de traitement? Alors un patient qui est bien suivi, qui prend bien son traitement tous les jours, il va avoir assez de petits soldats et il va vivre normalement. Mmh. On ne meurt pas du VIH, on meurt du sida, c'est-à-dire des infections opportunistes, des infections qu'on a lorsqu'on n'a plus assez de petits soldats pour se défendre contre les infections. Actuellement, en 2019, on a eu 14 décès. En Guyane, 14 décès de personnes vivant avec le VIH. 11 d'entre elles étaient des patients perdus de vue, qui n'étaient plus sous traitement, qui sont revenus avec un pool de petits soldats qui était vraiment très bas et qui sont décédés de maladies opportunistes parce qu'ils n'étaient pas traités, pas suivis. Et les 3 autres personnes sont décédées de pathologies autres que le sida. Avec des facteurs de comorbidité, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Ça fait 30 ans maintenant que ce virus a été découvert. Est-ce qu'on peut croire à la fin du sida d'ici les prochaines années? Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir pour être capable de soigner définitivement cette maladie? Alors, on fait des découvertes tous les jours. On avance régulièrement. On améliore déjà les traitements, les qualités de vie de nos patients avec les prises de traitement. Maintenant, on sait traiter le virus, c'est-à-dire qu'on va savoir comme endormir, mettre le virus dans une petite boîte pour pas qu'il aille attaquer nos petits soldats et qu'on vive normalement. Par contre, on ne sait pas encore l'éliminer. Mais on travaille là-dessus. Maintenant, on a découvert... On sait la maîtriser, en fait. On sait la maîtriser. On sait bien la traiter, la contrôler. Contrôler le virus grâce au traitement. Et on est en train de... Dans la recherche sur le VIH avance, que ce soit dans tous les pays, ça avance énormément. Et on travaille, en fait, pour... Il y a une sorte de réservoir. C'est là où le virus est là. Si on arrête les traitements, il ressort et il se rattaque à nos petits soldats. On est en train de travailler pour éliminer ces réservoirs. Moi, je suis optimiste, on va y arriver. Sur ce sujet, pardon, sur cette maladie, vous aviez commencé à nous l'expliquer tout à l'heure. Ce serait naïf de ne parler que du cas de la Guyane, parce qu'il y a évidemment des liens avec les autres pays. Vous nous avez parlé de nos pays voisins tout à l'heure. L'ONU s'est fixé comme objectif d'éliminer toute nouvelle infection en 2030, partout dans le monde. Donc, est-ce que ce serait possible, selon vous, d'ici 2030? On l'espère. Après On a fixé des objectifs progressivement. Pour pouvoir arriver à une élimination en 2030, on a avancé par décennie avec au départ 80% de la population testée, 80% de la population sous traitement, puis 80% de la population sous traitement qui est indétectable, ce qui veut dire que le traitement contrôle le virus. Et au fur et à mesure des années, l'OMS a augmenté en fait ce ratio. On demande pour 2030... Une extinction. Nous, on estime qu'on a 90% de la population de Guyane qui a été testée, que 91% de la population qui a eu un diagnostic de VIH est sous traitement et 94% de nos patients sous traitement sont bien contrôlés et bien suivis. Donc, c'est quand même assez optimiste. On est dans les objectifs. Nous, en Guyane, on est bien dans les objectifs. Aude Lucarelli, parmi les autres sujets importants, j'ai envie de dire, dans la vie quotidienne d'un malade, il y a aussi son rapport aux autres. Est-ce que la peur des autres de cette maladie, la sérophobie, continue d'être présente sur le territoire en Guyane? Alors, la sérophobie est toujours très présente. Il y a une grande stigmatisation. Ça s'améliore, hein. D'année en année, on retourne 10 ans en arrière où il y avait une plus grosse stigmatisation. Donc, une annonce de VIH était plus qu'une maladie chronique. C'était une mise à l'écart d'un patient dans certaines communautés. On avance. Par peur de se faire infecter soi-même aussi. Oui, mais et les gens ne venaient pas se dépister de peur de se faire rejeter. D'accord. Donc, on avance beaucoup là-dessus grâce à nos CJ. La Croix-Rouge fait un travail énorme chez la population des migrants pour pouvoir faire des dépistages. On a des dépistages très précoces. Maintenant, on prend vraiment en charge les patients très tôt. Après, cette stigmatisation existe toujours. On a encore des patients qui l'ont annoncé à leurs proches, qui l'ont annoncé à les personnes chez qui ils vivent et qui se sont fait mettre dehors. Ouais. On a des couples qui se séparent au moment d'annonce. On a des gens qui tournent le dos à l'annonce. Ça existe encore. Il faut qu'on travaille là-dessus. On travaille sur ce qu'on explique, que ce n'est pas en vivant avec quelqu'un qui vit avec le VIH qu'on va le transmettre, de bien connaître les modes de transmission et de comment s'en protéger
pour vaincre ces stigmatisations. Vous nous avez parlé tout à l'heure des progrès qui ont été faits dans le traitement et dans la recherche de cette maladie. Est-ce que malgré tout, ou plutôt en parallèle à tout ça, vous constatez un certain relâchement dans les gestes à adopter pour stopper ou réduire les infections dans l'utilisation notamment du préservatif? Après, relâchement, non. On a toujours eu quand même... Un besoin de faire de la pédagogie de manière répétée pour ne pas que les gestes s'oublient. Tout à fait, parce qu'il y a un besoin d'expliquer aux adolescents, à l'école, ce qu'est un préservatif, à quoi sert un préservatif, quand est-ce qu'on fait ces tests de dépistage, à quel moment on peut lever le préservatif. Mais on voit que... Moi, j'ai vraiment cette impression qu'on a de plus en plus le port du préservatif par rapport à 10 ans en arrière, où c'était vraiment « Ah non, le préservatif, jamais ». On y avance à force de faire des campagnes là-dessus. En plus, maintenant, on a même les préservatifs remboursés par la Sécurité sociale qui sont disponibles en Guyane. Donc, on peut prescrire à nos patients des préservatifs. Ça nous permet d'avancer, parce que souvent aussi, c'était chez les adolescents, c'est « Faut pouvoir payer son préservatif, il est cher, donc on en donne ». Et on peut le prescrire aussi. Oh, Lucarelli, on a beaucoup parlé de la crise du Covid-19 ces derniers mois. On a moins parlé des autres maladies dans l'Hexagone, en métropole. Il y a des associations, il y a des médecins qui sont montés un petit peu au créneau pour dire qu'il ne fallait pas oublier les autres maladies, dont le sida. Est-ce qu'en Guyane, la crise Covid-19 a eu un impact sur l'accès aux soins des personnes vivant avec le VIH? Ah, mais tout à fait. Hein, comme toutes les pathologies chroniques, on a eu un impact. Il y a eu deux sortes d'impacts. Un, c'est l'accès à l'hôpital. L'accès à l'hôpital a été moindre, donc les gens se sont moins déplacés au niveau de l'hôpital et donc on ne sont pas forcément venus en consultation. D'autres patients ont eu peur. En étant patients vivants avec le VIH, on leur parle toujours de leurs petits soldats peuvent être bas, qui peuvent être sujets à des infections, ont eu peur et sont restés chez eux. Après, sur notre pathologie, nos patients chroniques, on remarque que les patients ont quand même bien pris leur traitement, ont fait les renouvellements, que ce soit auprès de leur médecin traitant ou même de leur pharmacie, pour pouvoir avoir les traitements. Bon, ce qui a été dommage au niveau de la Guyane, c'est que donner les 2 mois de traitement, c'était mars, avril, mai. Ce n'était plus le cas en juin, juillet, août, quand nous avons eu le pic, mais les patients, on a fait autrement, on les a contactés par téléphone. Beaucoup avaient des infirmières à domicile, donc qui nous ont servi de relais pour pouvoir leur donner leurs ordonnances, faire les suivis de patients. Et depuis septembre, on récupère progressivement notre patientèle. Mais ils ont été impactés sur leur suivi, ça c'est sûr. D'où l'importance hein, de parler de cette maladie. Dernière question, parce qu'il est déjà 7h32, est-ce qu'il y a des opérations particulières de dépistage notamment qui sont prévues aujourd'hui et dans les jours à venir? Oui, tout à fait. Il y a différentes actions qui sont portées par les différentes associations sur la Guyane, que ce soit sur Cayenne, Kourou, Saint-Laurent ou même dans les villes de l'intérieur. Après, vous dire exactement lesquelles, comme ça, de tête, c'est difficile. Il y a tout un planning qui a été publié sur les différentes actions, avec du dépistage, de l'information, des distributions de préservatifs. Eh bien, écoutez, on terminera sur ces mots. Merci beaucoup, Lucarelli, d'avoir été notre invité. On le rappelle, vous êtes infectiologue et vous étiez avec nous ce matin à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Radio Pays.